On prend les dernières chaises. Parce que l'idée, c'est qu'on démarre tous ensemble. Voilà, il reste que quelques personnes qui rentrent. Merci de votre patience. Très bien. Il est 18h57, on commence dans une minute. David, je te propose qu'on commence. Donc David, c'est le régisseur qui est derrière nous. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la première rencontre Imagine les Tarterets. Cette rencontre se tient à la Maison des Associations, mais est également retransmise en direct sur Facebook pour celles et ceux qui ne pouvaient pas être présents ce soir. Elle est retransmise en direct et c'est pour cette raison que vous avez des caméras et David qui est là au micro pour que justement on puisse s'entendre, s'écouter, mais aussi ça permet d'enregistrer absolument tout. Alors ce soir, mon rôle va être un peu limité puisqu'il s'agit de passer la parole. Et il s'agit surtout de vous inviter à réfléchir à l'avenir de ce quartier. Et donc sont présents, on le voit, hein, de nombreux habitants, mais également des partenaires, des élus. Et je vais d'ailleurs tout de suite me tourner vers Monsieur le maire, Bruno Piriou, pour avoir un peu le sens de cette rencontre. Pourquoi avoir souhaité faire une rencontre au Tarteret ? D'abord, bonsoir à... Ça marche, oui. Ça donc, marche très bien, on vous ça entend. Ça marche, à, voilà, très bien. Bonsoir à vous toutes et tous. Voilà, on est vraiment très heureux, je suis le maire, mais de nombreux élus de la municipalité sont là ce soir au Tarteret. Pourquoi au Tarteret ? Ben, une seule raison, en fait, c'est qu'il y a un énorme projet de rénovation devant nous. Et donc on avait pris l'engagement qu'il était juste impossible de transformer des quartiers sans que les habitants puissent être au cœur. Et puis dès que le Covid s'est un peu estompé à partir du mois de juin, on a décidé, les élus qu'avons fait de notre pratique politique de dire que la ville vous appartient, de faire la ville avec vous. Et dès le mois de juin, nous sommes allés dans de nombreux quartiers. On a lancé aussi une concertation très importante sur le centre-ville. On a fait Imagine le centre-ville. Et puis, on va aller comme ça dans tous les quartiers. Les Tarterets sont un quartier évidemment emblématique de Corbeil-Essonne, un quartier important. Mais comme tous les autres, je vous le dis, on n'a pas de préférence, on vous aime beaucoup. Mais il y aura aussi, ça marche mieux, des projets importants à la Nacelle, à l'Ermitage, à Mont-Conseil, sur la rive droite, dans le centre-ville. Et donc, on veut que tout soit débattu par tout le monde. Donc on a évidemment accueilli beaucoup d'habitants des Tarterets ce soir, mais il y a aussi des habitants, j'en vois dans la salle, du centre-ville de Corbeil, d'autres quartiers, parce que on ne veut pas simplement que ce soit les habitants du centre-ville qui s'occupent du centre-ville, ceux des Tarterets. On veut faire du commun, c'est ça la commune, et donc faire en sorte qu'on se sente bien partout dans la ville et qu'il n'y a pas de quartiers qui doivent être débattus que par certains et pas par d'autres. Donc je reparlerai beaucoup, enfin pas beaucoup, je donnerai mon avis surtout à la fin. Ce soir, le but, c'est de vous écouter. On se connaît depuis longtemps et je crois que le grand défaut qu'on a eu ces dernières années, c'est de ne pas vous donner la parole, de ne pas vous écouter. Et ce soir, c'est à vous la parole et c'est un début. Voilà, ce soir, c'est un début, un commencement. Voilà. Merci, monsieur le maire. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de monsieur Oumar Dramé, qui est adjoint au maire en charge de la rénovation urbaine et de la politique de la ville. Vaste, vaste programme, la rénovation urbaine et la politique de la ville. Et c'est vous qui allez être en charge de cette concertation, puisqu'on rentre un peu dans la seconde phase de l'ANRU. Et j'avais une question pour vous. Pourquoi avez-vous souhaité associer les habitants à cette seconde phase de l'ANRU ? Bonsoir à toutes et à tous. Bon,
Parler en public n'est pas un exercice facile, donc il se peut que je ne trouve pas mes mots ou que je bégaye un peu, et j'espère que vous me pardonnerez. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les habitants qui sont présents ici et qui ont participé à toute cette enquête. Non, c'est moi qui fais, je pense, bien que je mette le micro un peu. C'est bien parce que d'autres aussi, ouais. Ce sera une donc, première. Je tiens à remercier tous les habitants qui ont participé à l'enquête et pour leur présence aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier le préfet qui n'est pas là, qui a été excusé, qui nous a permis d'avoir un délai supplémentaire pour réaliser justement cette enquête. Et après ces remerciements, donc, je vais finir par répondre à ta question. Donc, mais pour répondre, il faut déjà définir quels sont les objectifs de l'ANRU. L'objectif principal de l'ANRU, c'est d'améliorer le cadre de vie des habitants. Donc, pour ce faire, il le réalise par la transformation en profondeur des quartiers, donc avec des nouvelles constructions de logements, des nouvelles constructions d'espaces culturels, des nouvelles constructions de structures qui émancipent et qui élèvent les habitants. Nous, on a la chance d'avoir un ANRU 2. Hein. C'est une opportunité qui n'est pas donnée à tous les quartiers. Mais à cette opportunité, il faut comprendre que l'ANRU 1, il n'a pas été... Le bilan de l'ANRU 1, finalement, il n'est pas celui qui était attendu lorsqu'il a été réalisé. Donc, à titre personnel, hein, étant donné que je suis aussi habitant du quartier, j'ai vécu le premier ANRU. Et le sentiment qui me revient, c'est qu'on vivait mieux avant la destruction des tours qu'aujourd'hui. Certes, on a eu des nouveaux logements qui étaient beaux, tout fraîchement sortis de terre, mais à contrario, on a perdu tous nos espaces de sociabilisation, on a perdu les espaces d'éducation et nos espaces sportifs. Donc, les retours d'expérience qu'on a des projets de rénovation urbaine qui ont été réussis sont que ce sont des projets qui ont été réalisés avec les habitants. Hein? Donc pourquoi dans cette phase 2, en fait, dans cette deuxième phase, vous nous dites la première phase, voilà, elle est plutôt mitigée, on le verra avec les habitants, on a besoin d'avoir votre retour. Mais pourquoi vous avez insisté ou vous avez insisté pour que les habitants soient présents ce soir et que cette phase de l'ANRU 2, elle s'écrive avec eux? Le constat a été fait que le premier volet de l'ANRU, il a été fait sans les habitants. Donc il a été fait sans les habitants et la finalité a été qu'il ne correspondait pas aux habitants. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cet ANRU 2. Il faut apprendre des erreurs du passé, si je puis dire, et capitaliser dessus. Donc en disant que aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir un ANRU 2, on le fait avec les habitants pour que finalement cet ANRU 2 soit réussi et qu'il corresponde du mieux qu'il puisse aux attentes des habitants. Donc l'ANRU 2, si je comprends bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le programme. C'est le programme qui va définir les prochaines années en termes d'urbanisme, donc en termes de construction, de démolition, on verra ça. Mais ça comprend beaucoup de personnes. Comme vous dites, il y a le préfet, il y a l'État, il y a le gouvernement, il y a le Grand Paris Sud qui est là. Est-ce que véritablement, ce que vont dire les gens ce soir, et dans les étapes à venir, je vous expliquerai ça dans quelques minutes, est-ce que vraiment les habitants ils peuvent peser face à cette question? Est-ce qu'ils peuvent vraiment définir leur avenir et définir les grandes lignes de l'ANRU 2? Ce projet, c'est pas un projet pour les habitants. Hein, à mon sens, c'est un projet qui doit être mené avec les habitants. Et nous, notre rôle en tant qu'élus, hein, c'est de prendre en compte les attentes et les besoins des habitants et finalement de les défendre auprès de ces institutions que vous avez citées pour que le projet qui leur ressemble et qui correspond à ce dont ils ont besoin leur soit livré du mieux qu'ils puissent coller. Quoi. Donc qu'est-ce que vous attendez des habitants qui sont présents ce soir et des institutionnels? Ce soir, j'attends des habitants qui libèrent leurs paroles déjà et qui nous remontent les attentes fortes qu'ils ont, hein, pour que nous, on soit dans notre rôle aussi et on puisse vous défendre et finalement avoir un projet qui vous correspond et qui vous respectera.
Merci beaucoup. On va bientôt justement donner cette parole. La parole en effet est libre et vous l'aurez à plusieurs occasions. Je vous donne très brièvement le programme de cette démarche et de cette soirée. En fait, pour construire cette démarche, on est parti de vous, des habitants. On a réalisé une enquête auprès de 40 personnes de différents âges, de différentes catégories que je vois dans la salle. Mais ce soir, c'est qu'une première étape. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire qu'en une heure et demie, on pourra aller au fond du projet. C'est pourquoi vous avez décidé d'organiser à l'issue de cette soirée des ateliers de travail auxquels vous serez invités pour justement proposer, suggérer, vraiment dire tout ce que vous avez à dire, écrire tout ce que vous avez à écrire, pour que entre nous, il n'y ait aucune frustration. Et que ce soir, ça soit un point de départ. Un point de départ pour comprendre quelles sont vos priorités. Quel quartier vous souhaitez demain? On a le droit de rêver ce soir. L'ANRU 2, il l'a dit, c'est une chance. C'est une chance parce que justement, on peut refaire une page d'histoire avec vous. Et justement, pour un peu comprendre vos attentes, vos ambitions pour ce quartier, je vous l'ai dit, on a été missionné pour aller voir des personnes aussi timides que vous qui ont bien voulu partager leur regard sur leur quartier et leurs espoirs pour l'avenir, puisque ce sera ça l'objectif de ce soir. Donc je vous propose qu'on découvre un film qui est un peu un compte-rendu des attentes et qu'ensuite on parte de ce film pour discuter avec vous et un peu définir ensemble les priorités. Eh bien, on y va. Alors les Tarturés, d'après ce que j'ai su, ça a été créé dans les années 70. Au tout début, je crois que c'était pas que des logements sociaux. Donc il y avait des fonctionnaires qui y vivaient, il y avait de tout. Et je comprends pas comment il y a eu toute cette transition qui a fait qu'on en arrivait à un stade où on s'est dit que les Tarturés, c'était très négatif. À l'époque, c'était génial. On pouvait discuter avec les voisins, on pouvait frapper chez la voisine. Dans les bâtiments, on avait portugais, on avait français, on avait algérien, on avait kabyle, on avait africain, on avait de tout. Il nous reste deux français, même trois avec nous, si je veux dire ça. Aujourd'hui, à vous dire la vérité, je suis en train de changer, de chercher un autre logement. Quand on dit qu'on habite à Corbeil-Essonnes, en fait, souvent les gens vont nous dire « Ah, les Tarturés !» Ça cristallise dans l'histoire de la ville des choses assez négatives, malheureusement, qui ont existé. Hein. Mais aujourd'hui, c'est plus aussi important. Mon fils qui fait du basket là, depuis cette année au Tarturés, il y a vraiment la volonté de mélanger, d'encourager cette mixité. J'aime bien d'être au Tarturés. Parce que c'est une ville que je me sens bien dedans. Au niveau des études de mon fils, il était au primaire ici, au collège juste à côté. Il y a le mixage, il y a le métissage. On a respecté des devises de la France, la liberté, l'égalité et fraternité. Je m'appelle Skeina Fortem-Sariz, j'ai 14 ans, j'ai grandi au Tarturé depuis que je suis née. Je m'appelle Jessica Messaïbo, j'habite Corbeil-Essonnes depuis 2010. Arab Sami, j'ai 17 ans, j'habite au quartier des Tarturés à Corbeil-Essonnes et je suis lycéen au lycée Robert Doisneau. Je m'appelle Aruna Camara, 41 ans, plombier chauffagiste et habitant à Corbeil-Essonnes au Tarturé. J'ai toujours vécu depuis pas mal d'années côté Essonne. Et j'avais dit à mon mari, jamais Corbeil-Essonne. Je suis rentrée du bureau, il y avait un prospectus pour Corbeil-Essonne. Troisième jour, il y avait toujours le prospectus quand je rentrais du travail. Puis je dis, bon, tu veux y aller, on va y aller. Je fais tout à pied, j'ai la pharmacie, j'ai une boulangerie, il y a un cabinet médical. Moi, je me dis qu'en fait, nous, on est très bien, on ne regrette pas notre choix. J'ai mis ma fille au monde, elle a grandi ici, elle a tous ses amis ici, elle a tous ses repères ici. Donc je me retrouve dans l'état terrain, c'est comme j'étais en Côte d'Ivoire. C'est familial au fait. T'as tout ici, t'as le maïs, t'as toutes les vendeuses. Quand je pense Tarturé, je pense à une communauté, des mamans, des jeunes qui ont l'habitude de vivre ensemble. Je vois plus les quartiers comme...
des mini-villes, on va dire. C'est pas, Corbeil, c'est pas vraiment une ville réunie. Il y a beaucoup de différences entre quartiers. C'est un quartier qui est complètement à part. Déjà, il est décentré, il est en périphérie de ville. Les élèves ne sortent jamais du quartier, très rarement. Ils pensent que quand ils quittent les Tarterets, ils rentrent dans une autre ville, ils rentrent à Corbeil-Essonnes. Les Tarterets, c'est zone sensible. Même si ça s'est amélioré, même s'ils ont fait des travaux, même s'ils ont détruit des tours, vous allez chercher un travail, vous dites que vous habitez au Tarteret, c'est chaud, quoi. Au Tarteret, il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes. La plupart des jeunes, ils ont été à l'école, ils ont des études assez élevées, et à la fin, ils se retrouvent dans la cité à rien faire. Et quand on leur propose du travail, c'est venez, aller faire nettoyage dans la cité, ramasser des feuilles pour même pas 1 000 euros. Bah, j'habite au Tarteret et c'est pas comme Paris, il y a moins de choses à faire. Dans le quartier, je me pose, je suis dehors, après on parle. On parle un peu de nos vies, parce qu'on est des jeunes, tu vois. On admire la vue de tous les jours, enfin la même vue que d'hab. Ouais. Ici au Tarteret, ils utilisent plus l'argent pour construire des nouveaux bâtiments comme là-bas. Au lieu de faire des nouveaux parcs ou des trucs pour les adolescents ou les enfants. Il y a un parc qu'on appelle l'Araignée, il est en face de chez moi. Moi, c'est mon voir préféré, j'y vais tout le temps. Et il y a un parc caché que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On a décidé de ne rien dire à personne parce que si on le dit à tout le monde, il y aura tout le monde qui sera là-bas. En vrai, les Tarterets, moi, je trouve que c'est bien. Il y a des quartiers où ils ont rénové, où on voit que c'est propre. C'est beaucoup mieux que là où nous, on est actuellement. Quand on accompagne les enfants à l'école ou à aller au marché tous les matins, on voit les rats là en haut de la pente qui mangent avec les pigeons. Il y a des voisins qui ont des punaises. Il y a des cafards. On a quand même la rénovation, donc Corbeil-Essonnes a pu bénéficier avec le théâtre, le cinéma, des infrastructures sportives également. Sur les Tarterets, l'urbanisme c'est toujours au point mort, on a toujours des zones en jachère, tout est laissé un peu à l'abandon. Quand vous me dites Tarteret, je pense à la cité, abandonnée par... la mairie. Le soir, on entend la police. Bah, je suis déçue d'avoir acheté ici. Et j'ai juste une envie de partir. Quand je suis arrivée à Corbeil, j'ai vu les enfants qui couraient. Puis j'ai vu aussi les policiers qui sont derrière eux. Je ne comprenais pas. Et j'ai demandé, ils m'ont dit non, ici c'est comme ça. J'ai vu que Tarteret est en train de changer. Ils ont construit beaucoup derrière. Et puis de nouvelles personnes ici à Tarteret aussi. Et ça aussi, ça fait du bien aussi. C'est un quartier où on ne rentre pas. C'est presque comme ils appellent un quartier non-droit. Le tort qu'il y a eu il y a X années, c'est d'avoir parqué une certaine population. Et c'est le même problème qu'on a fait à Grigny. On a fait ces grandes tours pour les mettre. Tout autour de Mitis, ce sont des petits bâtiments très propres. Quand on aura refait les routes, le petit parc, ça sera vraiment l'idéal ici. Corbeil-Essonnes, Tarteret, ça fait plus rapport à banlieue, délinquance, tours, police, échec. Ne plus voir ces tours, c'est un grand changement. C'est un renouveau un petit peu. C'est faire une nouvelle histoire. Ceux qui pensent que la démolition des tours, c'est une bonne chose, ils ont une vision des tours qui est trop liée au trafic de drogue. C'est pas les tours le problème, les tours elles ont rien fait. C'est lié justement aux raisons de manque de moyens qu'il y a dans les Tarterets. Moi, les tours, je les vois comme de l'art. C'est de l'art urbain. On a démoli l'art, un patrimoine en fait des Tarterets. Tarteret, c'est 1976. Voilà, j'avais 12 ans. Quand je suis arrivé ici, moi j'étais turbulent. Et j'ai rencontré d'autres types comme moi. Et puis on a formé une famille. Détruire les tours de 15 étages, c'était pas une mauvaise idée. Après, ils nous ont construit un petit peu des logements un peu à la Neuilly. La majeure partie de la population est pauvre, quoi. Donc c'est un cache-misère, on va dire. En fait, moi, j'ai plus peur que ceux-là aussi disparaissent et que ça devienne des petits immeubles privés. Ceux qu'ils ont laissés et qu'ils ont, embellis, c'est juste une façade. Ils ont juste repeint. Alors que je pense que dans les immeubles même, il y aurait plus de travail. Ils disent oui, on veut changer, faire de la mixité sociale. Mais en fait, ce n'est pas de la mixité sociale qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent nous mettre en retrait. Ben, je suis tout à fait pour la mixité. Si c'est juste pour nous imposer des gens qui n'ont pas envie d'être mélangés à nous, ça ne sert à rien. La phase 1 de rénovation du quartier, pour moi, n'a pas apporté énormément de choses. Et je trouve que le quartier a perdu son âme.
dans le sens où il y a beaucoup moins d'activité, il y a beaucoup moins de densité dans le quartier. Quand je passe à chaque fois à ce moment-là, ça me fait des frissons dans le sens où je me dis qu'avant, il y avait des bâtiments, il y avait de la vie, il y avait des choses. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus rien du tout. Pour moi, cette rénovation des Tarterets, elle a apporté un renouveau. Ces immeubles n'étaient pas forcément des immeubles entretenus régulièrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit nos immeubles à peut-être 3 étages, 4 étages, des logements qui sont assez modernes, qui sont jolis, attirants, et ça, c'est agréable. Cette nouvelle rénovation des Tarterets, elle a apporté une nouvelle image des Tarterets et c'est vrai que ça me rend fière. À la ville Serge Dassault, il n'y a que des nouveaux bâtiments. Il y a le TVM qui passe. Il reste quelques trucs à faire encore, mais ça commence à changer. Parce que déjà, quand on passe ici, on n'a même pas l'impression qu'on est aux Tarterets. Dans l'avenir, moi, je pense qu'il faut continuer dans la même dynamique qu'ils ont commencé, en fait. Si tout va mieux pour nous, dans la vie du quartier, tout va mieux pour moi. Mais si... je ne le souhaite pas. Si ça se passe mal, c'est un pari perdu pour moi aussi. Donc on a tous intérêt à ce que ça marche bien. Mon idéal, c'est beaucoup d'activités, une bibliothèque, beaucoup de choses où les enfants peuvent s'épanouir. C'est tout ce qui entoure, qui fait le quartier. Ce n'est pas construit. Juste, tu déposes contreplaqué et puis tu dis non, tu as construit, je suis désolée. La première chose, c'est le commerce. Il nous en faut un tabac, il nous en faut un centre commercial comme on l'avait dans le temps à côté, un commissariat pas trop loin dans le quartier. Que ça va rapporter de calme au quartier, que ça améliore la vie des gens. Bah, juste construire des immeubles, ça voudrait dire que le quartier va s'agrandir, mais ça restera que des logements. Qu'on pourrait envisager que le rez-de-chaussée soit une petite boutique pour fringues, je sais pas, une boulangerie. Et les gens de l'extérieur, justement, verraient de leurs yeux que bah, les Tarterets, justement, bah, tiens, c'est en train de changer. Waouh, c'est plutôt un endroit chouette. Du positif, quoi. Rêvons un peu. Il faut un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Français, un Italien, un Portugais. Tu vois, les gens se mélangent, ils vont s'aimer entre eux. Peut-être ils vont se marier avec, ça va donner une autre vie au quartier. Ça va devenir très beau. Il faut que les gens se fréquentent, se voient, arrivent à connaître leur religion, en parler, voir. Ça, il n'y a plus ça en France. Dans ces nouveaux bâtiments qu'on va faire, enlever cette population et mettre d'autres populations. Et mettre cette population autre part. Vous voyez, de mélanger, c'est ce mélange qu'on a besoin. J'imagine au sein du quartier des Tarterets, une coulée verte, une sorte de chemin itinérant à la découverte des quartiers. Pour les autres habitants des quartiers, bah, peut-être qu'ils auront envie aussi de les prendre en sens inverse pour aller découvrir la magnifique coulée verte qui se sprout aux Tarterets. Je mettrais des roses blanches, des fruits aussi, comme le fruit de la passion. Si j'en aurais envie, je me réveille, dans mon jardin, je vois des fruits de la passion, ben j'en prends, je les lave et je les mange. Pour moi, la priorité, c'est de mettre des choses en place pour les jeunes comme moi. Skatepark et l'acrobranche, et puis aussi des magasins de manga pour lire, ou une bibliothèque. C'est parce que dans ce quartier, on s'ennuie beaucoup. Moi, pour moi, la priorité, c'est la culture. C'est la culture parce qu'en fait, elle touche tous les âges. Il faudrait que dans la cité, on puisse pouvoir avoir des cours de musique, des cours de danse, les cours de chant que moi j'écris, je suis persuadée qu'il y en a d'autres qui écrivent ou qui pourraient écrire. Il faudrait installer des zones où les gens peuvent se rencontrer ensemble pour faire des choses positives, du sport, des manifestations culturelles ensemble, etc., qui permet de s'épanouir, quoi. Ça va inciter les gens à se mixer ensemble. Il faut aussi mettre en place des endroits où les jeunes, tu vois, les jeunes, même les plus grands en licence, etc., comme nous, peuvent étudier. Ou, si possible, il y a des enseignants, des volontaires qui ont des compétences pour enseigner, pour tel niveau, tel niveau. La priorité, c'est de s'occuper de la génération à venir. Pourquoi pas une mission locale au Tarteret pour aider les jeunes. On les épaule, on ne les laisse pas seuls. Il faut qu'ils prennent exemple sur des gens qui ont réussi. Et pour qu'ils prennent exemple sur des gens qui réussissent, il faut qu'il y ait de la réussite. Dans ces quartiers-là, il faut aider ces jeunes aussi. Ces jeunes qui n'ont pas de travail. Déjà, leur donner un emploi, justement, à l'intérieur du quartier, s'il y a des commerces. Qu'ils soient prioritaires dans la reconstruction du quartier. Bah, s'ils ont du travail,
ils vont se construire une famille, ils vont se construire une vie. Les magasins aussi pour les mamans. Et les mamans disent de Tarteret, ils sont fortes, ils sont courageuses. Puis je vois comment ils vendent ici pendant l'été. Mais ici, ils ont construit des boutiques. Les mamans peuvent partir aussi louer en petite boutique et puis assis là-bas. Au moins, même hiver, ils peuvent vendre. Alors que les gens partent loin pour chercher à Paris pour chercher du travail, ils peuvent rester ici pour travailler sans bouger loin. Il y en a qui sont attachés au quartier, qui veulent des rénovations. Mais les rénovations, ils ne veulent pas que du maquillage à l'extérieur. Il y a le problème d'humidité, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de santé à cause de ça. Là, il y a le froid qui arrive. Il faut que ce soit vivable. Ces nouvelles constructions au Tarteret, ça serait de remplacer des bâtiments insalubres, et les mettre dans de meilleures conditions. J'espère qu'ils seront à la portée de tous, parce que on est dans un quartier... on va dire pas très riche, où il y a beaucoup de familles en situation de précarité. J'espère qu'ils ne cherchent pas en fait à changer la population des Tarterets. Dans la prochaine phase, qu'ils font des rénovations pour nous, qui sommes déjà sur place, et à nous mettre en priorité. Et ensuite, voilà, après, nous, ça ne nous dérange pas de voir des nouveaux gens arriver dans le quartier, tout ça, d'être mélangés. Il faudra faire du privé, du social, mélangé ensemble. Faire de très beau bâtiment. Ma copine, un jour, elle m'a emmenée dans un des bâtiments chez sa mère. Les bâtiments. Il y avait des fauteuils en bas. Les escaliers, on dirait les escaliers du cinéma. En bas, c'est tout vitré. Il y a des fauteuils au milieu. Ils sont tout propres. Les portes, elles sont jolies. Mettre un peu du design dans les appartements. Pas des carrés blocs. Un immeuble en palmier ou je sais pas, ça a souvent des formes. Ça changerait l'image des Tarterets. On n'aura plus honte de dire j'habite au Tarteret. C'est de rénover plutôt que de casser, parce que tant qu'on casse, qu'on reconstruit, bah les gens ils partent, alors que rénover, ça permettrait aux habitants des Tarterets d'avoir une meilleure vie. Qu'ils y mettent vraiment les moyens, des matériaux solides qui tiennent dans le temps pour qu'ils n'ont pas à rénover tous les 3 ans et qu'au bout de 5 ans, c'est déjà délabré, sale et qu'on veut encore les rénover ou les détruire. Quand on prend la Nationale 7, on voit le haut des Tarterets, donc s'ils ont rénové ça, c'est justement pour... apporter une image plus fraîche de ce quartier. Bah, c'est comme un faux mur. On voit le mur, il est beau, mais quand on toque, bah, le mur, il tombe. Rénover tout, ne rénover rien. Apportez-nous meilleure chose, meilleure vie et meilleure qualité de vie. Moi, la priorité de rénovation au Tarteret, c'est faire des immeubles beaucoup plus courts. Quand on voit des petits immeubles, on voit des petites maisons et tout, c'est chic. C'est glamour. On s'est dit, ben là, je suis en France. Tout ce qui a été fait, c'est bien. Mais c'est pas terminé, il faut aller au bout. Pour pas faire en fait deux Tarterets. Un côté avec l'ancien Tarteret et un côté avec le nouveau. Pour pas qu'il y ait de discrimination sociale. Il faut détruire l'ancienne image qu'on a des Tarterets. Et ça va avec la destruction de tous les bâtiments. Parce que si l'image des Tarterets, elle change, c'est l'image de Corbeil qui change. Le conseil que je donne à ces gens-là, de faire un vrai projet, un vrai projet. Depuis 2010, qu'ils disent « cette année, ils vont démolir, cette année, ils vont démolir, cette année, ils vont démolir », ils n'ont rien fait. Faire en sorte que les choses ne se laissent pas entraîner dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient bien faites, effectivement, donc faire avec la population, et qu'une fois qu'on a fixé un projet, qu'on s'y tienne. Je ne sais pas si les élus ont le temps d'écouter les habitants, mais ils sont quand même élus. Et il me semble que la moindre des choses dans leur métier, c'est pas de s'occuper que de politique politicienne, mais quand même de s'occuper de la vie de la commune. Qu'on arrête les magouilles. On sait très bien que ce quartier a été vendu à Nexity pour 1 €, qu'ils réfléchissent aux erreurs qui ont été faites avec Nexity, de façon à ne pas renouveler ça. Bah, j'aimerais que le lobby, je vais appeler ça le lobby commercial, même si c'est les logements sociaux, ne prime pas sur le bien-être des gens. Je sais qu'il va y avoir une urgence parce qu'il va falloir loger des gens. C'est bien pour ça que j'ai toujours l'impression qu'on travaille dans l'urgence, mais qu'on ne travaille pas si bien que ça, ou alors on va au moins cher. Pour que cette prochaine rénovation soit la plus réussie possible, qu'elle doit se faire à travers un dialogue complet entre les responsables des projets et les habitants, pour que les échanges se fassent de haut en bas, de bas en haut, oblique, vertical, horizontal. Mais il faut un dialogue permanent. D'aller au contact des habitants, voir comment ils vivent,
voir leur routine, pour améliorer au maximum leur quotidien. Contrairement à avoir des idées de base et faire leur propre idée, alors que ça plaît à personne, c'est mieux de voir les gens et de plaire au maximum que de plaire qu'à deux. Même si on n'est pas constructeur, même si on n'a pas fait d'études d'urbanisme et tout, ils viennent nous voir, ils nous demandent voilà ce qu'on envisagerait. Et nous, en revanche, on donne aussi notre petite idée. Et en fonction de ça, ils essaient de faire un tri. Et puis, c'est comme si tout le monde a travaillé. Donc, quand ils font la construction, on sait qu'on a notre idée dedans, on ne pourra pas se plaindre. Ce serait de créer vraiment un espace citoyen. Donc, c'est un espace citoyen qui permettra donc, de faire en sorte que les plus anciens puissent rencontrer les plus jeunes ou même les plus jeunes entre eux. Vraiment, toute génération confondue. Pour pouvoir régler des soucis, pour pouvoir développer un quartier, il faut qu'on puisse en discuter. Et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi ou qu'ils fassent des choses qui risquent de déplaire à certaines personnes. On a voté pour que vous vous bougiez et pour que vous fassiez des choses pour le quartier. Sinon, dans ce cas-là, on vote tous pas, on vote pas. S'ils venaient nous voir, déjà, ce serait une bonne chose parce qu'on ne se sentirait pas trahi. Et juste ça, ça va permettre de faire un grand pas et d'avancer ensemble. Il me paraîtrait important que les habitants soient au cœur de cette rénovation. Donc, c'est-à-dire qu'ils aient le choix du début à la fin. Si tous les habitants de la ville se mettaient à dessiner le quartier, je suis convaincue qu'il y aurait un meilleur vivre ensemble, mais pour toute la ville, quoi. Ils essaient de faire un tri. Et puis, c'est comme si tout le monde a travaillé. Donc, quand ils font la construction, on sait qu'on a notre idée dedans, on ne pourra pas se plaindre. Ce serait de créer vraiment un espace citoyen. Donc, c'est un espace citoyen qui permettra donc, de faire en sorte que les plus anciens puissent rencontrer les plus jeunes ou même les plus jeunes entre eux. Vraiment, toute génération confondue. Pour pouvoir régler des soucis, pour pouvoir développer un quartier, il faut qu'on puisse en discuter. Et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi ou qu'ils fassent des choses qui risquent de déplaire à certaines personnes. On a voté pour que vous vous bougiez et pour que vous fassiez des choses pour le quartier. Sinon, dans ce cas-là, on vote tous pas, on vote pas. S'ils venaient nous voir, déjà, ce serait une bonne chose parce qu'on ne se sentirait pas trahi. Et juste ça, ça va permettre de faire un grand pas et d'avancer ensemble. Il me paraîtrait important que les habitants soient au cœur de cette rénovation. Donc, c'est-à-dire qu'ils aient le choix du début à la fin. Si tous les habitants de la ville se mettaient à dessiner le quartier, je suis convaincue qu'il y aurait un meilleur vivre ensemble, mais pour toute la ville, quoi. Merci, mais c'est vous qu'on va applaudir puisque c'est la parole des habitants ce soir, des habitants très nombreux qui sont même debout. Et justement, ça peut être intéressant d'avoir en premier les participants de ce film qui le découvrent comme vous. C'est une première fois. Et on voit qu'il y a, quand même un petit débat sur ce qu'on fait de ce quartier. On va peut-être commencer. Est-ce que Samy est là ? Samy ? Non. Ok, c'est pas grave. Il est là. Samy, excusez-moi. En plus, vous avez la priorité parce que vous avez été interviewé et en plus, vous êtes debout, vous n'avez pas de chaise. Donc, on donne la parole à tout le monde ce soir, y compris ceux qui sont dans le fond de la salle. On a un peu envie de comprendre. Vous dites, on veut bien rénover. Mm-hmm. On veut bien rénover, mais pas à n'importe quel prix. Alors, vous voulez rénover ou pas ce quartier ? Il faut qu'il change. Oui, on veut le rénover parce qu'il y a des choses qui manquent, comme des infrastructures, de la propreté, et ce serait bien qu'il y en ait. Et pourquoi, pour vous, vous dites soit vous rénovez tout, soit vous rénovez rien ? Parce que pour l'instant, il n'y a que le haut des Tarterets qui a été rénové, et le bas, il a un peu été délaissé, et autant tout faire que rien faire. Qu'est-ce que ça apporterait si tout le quartier de Tarterets était rénové, amélioré ? Ça apporterait plus de joie de vivre, aussi plus une meilleure qualité de vie, une meilleure vision sur ce quartier. D'accord, merci. On continue sur cette question de rénover par rénover. Maria, vous nous dites dans le film que c'est bien beau de faire un beau quartier, là on parlait de rénovation, mais qu'il ne faut pas que des immeubles.
la rénovation, c'est pas juste s'occuper du bâti, c'est aussi de s'occuper de ce qu'il y a autour et qu'on a le droit de rêver. Pourquoi c'est important que ceux qui prennent des notes là ce soir, il y a aussi bien les élus, les acteurs de l'ANRU, pourquoi pour vous c'est important qu'on s'occupe de ce qu'il y a autour du quartier ? Est-ce que vous voulez bien vous lever s'il vous plaît, juste pour qu'on puisse... Ah non, mais déjà la prendre la parole, je vais avoir un problème. S'il vous plaît. Non, mais je préfère... Alors, pourquoi il faut rénover ce qu'il y a autour ? Juste pour qu'on comprenne. J'aime pas parler en public comme ça, donc... D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. On va vous donner la parole. Je voudrais juste prendre quelques interventions. On a également Ismaël. Vous êtes également dans le film. Alors, vous, c'est marrant parce que il y a certaines personnes qui disent « faut démolir ». Ça nous a fait du bien, cette démolition, d'avoir des immeubles de petite taille. Et pour autant, vous vous dites « ben non, faut garder l'architecture urbaine, c'est un patrimoine ». Donc, on aimerait bien comprendre. Est-ce qu'il faut démolir, rénover ? C'est quoi ? Bah, comme je l'ai dit, moi, c'est ce que je pense. Et je pense que c'est de l'art et qu'on peut le considérer comme un patrimoine urbain. Et pour cette raison, il faudrait en prendre soin dans la durée pour le donner aux prochaines générations. Pourquoi pas rénover ? Oui, mais démolir, non. Et en même temps, il y a déjà eu des démolitions, il va peut-être y en avoir en cours. Comment on fait pour trouver un bon équilibre et que le haut, le bas, bah, finalement, comme disait monsieur, bah, ça soit homogène ? Bah, comme il l'avait dit, j'ai oublié son prénom, monsieur l'élu, il ne faudrait pas reproduire les erreurs du passé. Moi, je considère que ça a été une erreur. Après, voilà, si l'erreur, ils veulent la refaire, bah, qu'ils la refassent. Mais en tout cas, ça va déplaire à certaines personnes comme moi. Ben c'est très clair, donc il faut vraiment vous donner la parole en fait. Ben voilà, merci d'avoir... Je vous remercie d'avoir eu la parole et voilà, c'est ce que je pense. Passe la parole à Monique Blé qui nous a beaucoup marqué. Monique, vous êtes dans ce film et vous nous dites il faut que ça soit beau, que ce soit chic et que ce soit la France. Oui. On a le droit d'être la France au Tarteret ? Oui, c'est vrai que c'est possible. Le Tarteret, ça doit ressembler à la France. Parce que pour moi, c'est un quartier qui ne ressemble pas du tout à la France. Pour ça que j'ai dit, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre, pour qu'on sache qu'on est en France, tout simplement. C'est-à-dire ? Ça passerait par quoi, selon vous ? Mais la beauté des immeubles, la propreté, les infrastructures, comme l'ont dit certaines personnes. C'est un tout. Très bien. Je vois madame qui hoche la tête et après on vous passera le micro, monsieur, mais on va essayer de continuer. Il y a aussi des jeunes dans la salle. Alors, je vous ai vu hocher. Vous imaginez carrément des palmiers quand d'autres veulent garder les tours. Donc, il y a un petit débat entre vous au sein des Tarterets sur à quoi doit ressembler la France des Tarterets. Oui, moi, je suis absolument d'accord avec la dame. C'est que les Tarterets ne ressemblent pas du tout à un quartier de France. Et même moi, j'ai envie de me retrouver... en France, quoi. C'est pas, on voit des personnes qui vendent du maïs. Moi, je trouve pas ça normal de vendre du maïs en route. Il y a des blocs de personnes. Enfin, je suis pas de ce côté Tarteret, mais le peu de fois où je passe, il y a des groupes de personnes qui je sais pas ce qu'ils font. Savant ou je sais pas. Donc pour moi, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Parce que justement, il y a eu des suggestions qui ont été faites pour que ce Tarteret ressemble à la France que vous aimez, mais à tous. Hein, je m'adresse bien sûr à tous et toutes. Ça passerait par quoi, selon vous ? Bah, la propreté, déjà. Et la rénovation des immeubles. Voilà, c'est ça. Très bien. Et en même temps, merci beaucoup. Et en même temps, cette rénovation, j'ai vu les mains qui se lèvent, elle a des conséquences sur les habitants. Il y en a qui nous disent c'est bien, ça fait ramener des nouvelles personnes, on a besoin de se mélanger. Je crois qu'on a même parlé d'amour ce soir dans le film. On a entendu si on se mélange tous ensemble, ça sera un beau mariage. Et d'autres qui, au contraire, garde le micro, s'il te plaît. Et d'autres, au contraire, Mathilde, qui dit ben. Je ne suis pas contre le mélange, mais d'un autre côté, on veut être sûr qu'on a notre place. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait venir de nouvelles personnes ? On n'en fait pas venir dans ce quartier ? Vous avez envie de quoi ? Bah, si, il faut en faire venir, mais il faut aussi qu'ils soient d'accord de vivre avec nous et de la façon dont on vit, en fait. Parce que, en fait, vous parlez des mamans qui vendent leur pastel et tout ça, entre autres. Hein. Moi, je parle aussi de l'économiste en dessous, c'est-à-dire même les dealers, en fait. C'est quand même le moyen pour certaines personnes d'avoir... peut-être de l'argent en plus et de pouvoir mieux vivre. Sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aurait plus de voitures cramées, qu'il y aurait plus d'agressions, il y aurait peut-être plus de...
de choses comme ça, en fait. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est, on part déjà de loin au Tarteret. Moi, quand je suis arrivée il y a 20 ans, c'était pas comme ça, en fait. C'était pas comme ça du tout. En 2005, oui, d'accord, mais moi, c'était comment, il y a 20 ans. C'était comment avant ? Oui, mais 40 ans, c'est quand c'est, ça venait d'être presque mis en place, en fait, vous voyez. Donc après, c'est les mentalités qui changent. C'est tout ça qui change. Et tout ça, il faut le prendre en compte, en fait, quand on veut le vivre ensemble. Très bien, c'est merci ça, beaucoup, on va vous redonner la parole. C'est pas un problème de normal ou pas normal, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Mais c'est pas que ici, madame, c'est partout. Dans tous les quartiers de France, il y a une économie souterraine. Et c'est ça qui fait vivre des centaines de personnes. Maintenant, s'il y en a qui ne le comprennent pas, c'est chacun son opinion. Mais c'est comme ça, en fait, et on ne peut pas revenir dessus. Il faut avancer avec tout ça. Merci Mathilde, je vois Demba qui réagit. Il y a quand même la question économique du quartier, en effet pas forcément souterraine, mais dans le film, on voit qu'il y a une attente que ce quartier soit un peu plus vivant, qu'on puisse y trouver des commerces, des restaurants, vous en parlez d'ailleurs. Et en plus vous nous dites qu'ici c'est la liberté, l'égalité, fraternité. C'est pas évident, mais... ça serait quoi votre quartier idéal ? Vous avez ceux qui prennent des notes, qui doivent justement penser à ça. Le quartier idéal, je rejoins madame, tu dis il faut que les quartiers soient comme la France, mais en vivre ensemble, chacun respecte comment je veux dire, les uns les autres. Chacun respecte les uns les autres, mais pour être un quartier chic, c'est les bâtiments déjà. Déjà, quand on rentre dans le bâtiment, on regarde comme on a vu dans le film. Il y a une dame, il a dit qu'il faut que le bâtiment soit comme... la rentrée des bâtiments, il soit comme très belle, quoi. Il soit très beau. C'est voilà. Vrai, c'était la jeune fille, donc, la collégienne, voilà. Qui faisait des fauteuils. Voilà. Donc, vous voulez du beau, en fait, au Tarteret, si je comprends bien. Il faut que ça soit une ville très beau. Si les gens, ils ont venu, donc ça... D'accord, merci, on continue. Je sais qu'il n'y a pas que des habitants des Tarterets, il y a aussi des habitants du centre-ville. Vous l'avez dit, monsieur le maire, que la question des quartiers c'est, doit concerner tout le monde. On va passer la parole à monsieur. Je vais juste prendre une dernière intervention et ensuite je vais aller en salle. Il y a justement un professeur qui est avec nous et qui disait qu'il avait le sentiment que ça ne se mélangeait pas beaucoup. Enfin, vous êtes beaucoup à parler de vivre ensemble, mais qu'en même temps, dans le quartier en soi, soit ça reste dans le quartier... Mais aussi les habitants eux-mêmes ne viennent pas forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer ? Comment on relie mieux ce quartier au reste ? Bonsoir à tous. C'est très difficile. C'est tellement complexe. Je rejoins ce que disait... excuse-moi, je n'ai pas votre prénom en tête. Effectivement, j'ai travaillé au Tarteret de 88 à 94 et il y avait ce lien entre jeunes puisqu'ils se retrouvaient souvent en bas des tours qui ont tendance à disparaître. Effectivement, vu de l'extérieur, éparpillé, les constructions est une bonne chose, mais peut-être, effectivement, on perd ce lien entre jeunes, entre générations même, et axer des espaces verts, de la culture, pour trouver ces lieux de rassemblement, parce qu'à mon avis, hein, c'est pas le vôtre, mais c'est vrai qu'il vaut mieux diminuer la hauteur des tours. Hein, ces constructions-là ont eu lieu puisque il fallait loger des personnes, et puis tant mieux, il y a eu l'eau chaude, hein, comme on dit, il y a 40-50 ans, tout le monde ne l'avait pas. Puis des problèmes sociaux sont arrivés, etc. Bon, on ne va pas refaire le descriptif des Tarterets, on en est là. Je trouve que, apparemment, c'est une bonne chose de disséminer un petit peu les constructions. Ce que je remarque quand même, c'est que je remarque juste que les nouvelles constructions, le long, par exemple, de la voie de bus qui descendent à la gare, bon, j'ai pas vu un espace vert, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas comment les gens, justement, peuvent se retrouver. C'est en pente. Alors, je suis d'accord que c'est joli et je critiquerai pas l'intérieur même des appartements. Mais effectivement, moi, quand je suis revenu travailler au Tarteret, parce que ça fait 3 ans que j'y retravaille, j'ai été agréablement surpris par, on va dire, le côté glamour, la beauté des constructions qui font que les gens qui sont là depuis très longtemps, je pense, apprécient. Mais est-ce que la cohésion du quartier, est-ce que la cohésion entre, on va dire, entre guillemets, entre communautés se fera ? Bon, moi, je n'y vis pas, je ne peux pas vous dire. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait justement des chemins de traverse, des choses, des accès à tous, culturels. Dans l'éducatif, on souffre, il y a des effectifs très élevés. Et si on construit, donc c'est pour ça que je ne sais pas, et là, on va peut-être m'éclairer ma lanterne, je ne sais pas donc quel est le degré de construction et le degré de rénovation. Parce que, comme disait
Voilà, je... D'accord. C'est Merci. Pas la même on chose. Va, on va voir ça plus tard, mais en tout cas, vous avez émis plein de pistes. Il y a madame qui avait levé la main, il y a monsieur là-bas que je n'oublie pas, il y a d'autres mains qui se lèvent, on va rentrer dans la salle, on avait besoin d'avoir un peu le retour sur propos. Oui, madame, je vous ai vu hocher la tête à la fois sur la question, là, on entend ce soir vivre ensemble, on entend ce soir démolition, parce que ça fait du bien, on veut du beau, du glamour, on veut de la France, et en même temps, on voudrait garder le patrimoine, le patrimoine des Tarterets. Vous en pensez quoi de tout ça? Bonsoir tout le monde. Alors, moi, je suis habitante au Tarteret depuis 2014. Ah oui, est-ce que vous pouvez vous lever? Ça va nous aider, en fait. Est-ce que vous voulez bien vous lever? Vous pouvez aussi enlever votre masque. Merci. Je suis habitante depuis 2014, donc j'habite les nouvelles constructions, où je me sens aussi à part. Il y a deux Tarterets. Tarteret d'un côté, de l'autre. Donc, effectivement, peut-être créer du lien, des chemins, une coulée verte qui passerait dans les immeubles, mais aussi des améliorations urbaines qui partent sur l'ensemble et non pas une partie, puis après l'autre, et puis celle-ci, parce que justement, les gens se... Oh ben tiens, il y a des rénovations ici, nous on en mérite, donc du coup ça peut créer... Il n'y a plus de lien dans ce quartier, il faudrait que les choses se fassent ou que ce soit programmé, comme ça les gens savent que ça se fait... Ça se fasse au même moment qu'en fait on rénove tout, on rénove rien. Une concertation peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas on a vraiment, moi j'ai l'impression d'avoir qu'il y a deux Tarterets. Et au Tarteret, il y a très peu d'espace vert, pas de fleurs. Les plantes sont rarement coupées sur les jardins, parquets jardins de la mairie. Je ne sais pas s'ils y passent, s'ils y pensent. Et comment on fait pour relier ces deux Tarterets? Ça passerait par quoi, selon vous? Une concertation, comme ça se fait là. Je pense que c'est le bon chemin, c'est cette concertation. D'accord. Voilà. Merci. Vous avez parlé de vert, de verdure. On a une collégienne, puisqu'on a interviewé un peu tous les âges. Pourquoi, pour toi, l'une des priorités, en fait, on a posé aux habitants, et je vais vous la poser à vous aussi, quelle est votre priorité? Et donc, pourquoi, pour toi, la priorité, c'est de mettre du vert, des roses blanches Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de vert, enfin, des arbres, etc. Et comme elle l'a dit, la dame, il n'y a pas beaucoup de gens qui coupent les arbres. Et moi, je préférerais que c'est ça, quand on sort de chez nous, qu'on voit que c'est beau, que ça donne envie de sortir, comme c'est mieux, parce que sinon, il y a des gens qui restent chez soi. Après, ça se trouve, on ne sait pas qu'est-ce qui leur arrive, mais je dirais que ce soit mieux d'avoir plus de plantes pour la beauté, quoi. D'accord. Moi, je vois que ça parle beaucoup au fond et j'ai très envie de vous entendre. On va vous passer un micro tout de suite. Oui, ça arrive. Et le monsieur, ensuite, on passe là, il y a plein de mains qui se lèvent. C'est un petit truc qui me tient à cœur. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Pas de souci. Je me présente, monsieur Benaïcha. Je travaille aux espaces verts, justement. Donc, je vais répondre à votre problème. C'est vrai qu'au Tarteret, on dit que les espaces verts ne sont pas entretenus, mais il faut regarder les parties qui sont municipales et les parties qui appartiennent aux bailleurs. Et 80% des espaces verts appartiennent aux bailleurs, n'appartiennent pas à la mairie. La mairie fait son travail, justement. Donc, c'est pas pour être limite, pour défendre la mairie, loin de là. Moi, je travaille au Tarteret. C'est moi qui m'occupe des parties des Tarterets. Et vous pouvez me demander quelle partie. Le bois des Tarterets, il est à nous, on est en train de le faire en ce moment. La maison de quartier des Tarterets, elle est à nous, on est en train de le faire en ce moment. Le parc Aimé Césaire, il est à nous. Mais tout le reste, il est aux bailleurs. Et si le bailleur ne joue pas le jeu, nous, on ne peut pas faire mieux. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que la question du vert, c'était à la fois entretenir, mais c'était aussi en développer plus, avoir plus de beaux. On va juste passer la parole. Quand on entend ça, nous, ça fait que limite, on ne travaille pas. C'est normal. C'est-à-dire que et je préfère défendre limite mon service et défendre mon travail parce qu'on fait notre travail. D'accord. Bah là, l'idée, c'est de continuer à trouver les priorités. Oui. J'ai un monsieur. Oui, allez-y. Et après, on n'oublie pas le monsieur là. Alors pour vous, quelle est la priorité pour ce quartier? Il y a une nouvelle page qui s'ouvre, c'est l'Henri II. Par rapport à ce que vous entendez, que vous avez entendu dans le film ou par rapport à ce que vous avez vu, qu'est-ce qui, selon vous, doit être prioritaire pour faire un quartier digne de la France? Alors, digne de la France. Déjà que le quartier des Tarterets commence à devenir digne de Corbeil, avant de devenir digne de la France, monsieur Piriou. Et il ne faut pas oublier non plus
que le premier maire qui a voulu détruire les tours parce qu'il en avait marre de parquer les gens dans des cages à poules, ça a été Monsieur Dassault, qui la tour vers la mosquée a été détruite, où à l'époque, le Conseil général d'Île-de-France et de l'Essonne voulait lui porter plainte parce qu'il a voulu détruire cette fameuse tour. Et lui, il a dit « Je ne veux pas parquer les gens dans des cages à poules, les mettre par communauté ». Quand Monsieur le maire fait une campagne de pub pour dire « Les Tarterets, c'est la France », déjà, il fait des communautés à l'intérieur de Corbeil. Donc j'écoute depuis tout à l'heure. Je trouve très bien qu'on demande la parole aux habitants. Est-ce que maintenant, on va respecter la parole des habitants? Parce que ça fait 30 ans qu'on ne la respecte pas. Corbeil est une ville de mixité. Et ça, c'est une force. Moi, je suis désolé, je ne suis pas fier qu'on dise que Grigny, le maire de Grigny, soit le maire du monde. Non, je ne suis pas fier. La mixité, c'est quoi? L'Essonne, c'est quoi? Pourquoi nous dire la France? Est-ce que Corbeil est traité comme Neuilly-sur-Seine? Est-ce que Corbeil est traité comme d'autres villes en France? Donc au bout d'un moment, en fait, il faut arrêter. Il faut écouter les gens, oui, certes. Mais comme a dit certaines personnes, le principal, et ce qu'on demande à la municipalité, c'est la culture pour les jeunes, le sport, leur ouvrir le quartier. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire les Tarterets, mais Corbeil-Essonne, que les jeunes des Tarterets puissent aller dans le reste de Corbeil, se mélanger, découvrir autre chose. Et là, je pense qu'on avancera un grand pas. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Mixité, jeunesse, on continue. Justement, il y a des jeunes dans la salle et c'est important qu'on puisse leur passer la parole, Lassana ou d'autres, hein, n'hésitez pas, je vous vois là, deux jeunes filles, on est aussi là pour vous, monsieur, je vous oublie pas là-bas. Ouais. Et monsieur, Jacques, on me dit, il faut pas l'oublier, oui, oui, oui. Oh, j'ai pas besoin de micro. Hein. Si, si, on a besoin tout enregistrer, si vous voulez. Gens... Ah, pour l'enregistrement. Non, je vous tiens par contre, je le tiens depuis bon, ici, je connais à peu près tout le monde. Je me bats pour le quartier depuis longtemps. Moi, ce que je voudrais, c'est que je m'adresse à M. Bruno Piriot, que je connais depuis exactement très très longtemps. Voilà, le quartier, ce qu'il faudrait, c'est un peu plus de... qu'il y ait un peu plus d'ordre. Parce que tous les bâtiments, dans le bas des bâtiments, c'est pris par tous les jeunes qui font n'importe quoi. Il faudrait faire respecter ça. Deuxièmement, au niveau propreté, je parle du parc Aimé Césaire, que je me suis battu pour avoir ce nom. C'est moi qui a fait mettre le nom à M. Dassault du parc Aimé Césaire. Il a eu 10 ans la semaine dernière. Malheureusement, il est délaissé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de job pour les enfants. Il est complètement délaissé. C'est un peu dommage. La propreté du quartier, bon, il n'est pas trop mal fait à l'heure actuelle. Moi, je m'occupe surtout du bas des Tarterets, avec mon ami Assac, qui se débrouille bien. D'accord. Mais au niveau sécurité, il n'y a pas de sécurité. Merci beaucoup. Les jeunes, à l'heure actuelle, pour les écoles, avant, il y avait des gens qui faisaient la circulation pour laisser passer les jeunes, etc. Maintenant, il n'y en a plus. Prenons l'exemple du marché. Le marché, c'est une catastrophe. Avant, il y avait un policier de la municipalité qui venait surtout le samedi, parce que le samedi, en plus, les voitures se garent n'importe où. Il y a des doubles fils, il y a tout ce qu'on veut, et il n'y a personne qui s'en occupe. D'accord, vous avez beaucoup de choses à dire. Ah ça ouais, tombe bien, on vous donne rendez-vous le 9 novembre pour les ateliers de proposition, parce que l'idée, c'est de frustrer personne et de passer la parole au plus de monde possible. Et il y a Solange qui a levé la main. Et donc, vous allez pouvoir écrire vos propositions. Moi, ce que je tenais à dire... Et il y a monsieur qui lève la main, parce que j'ai 10 personnes qui lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ce que je voulais dire, dans Corbeil-Essonne, il s'est construit une résidence Domitis pour les personnes âgées. Hélas, nous ne pouvons pas marcher dans la rue parce que les trottoirs sont complètement défoncés. On a de la saleté tout autour de nous. Je pense que déjà, si on faisait quelque chose de propre pour vos personnes âgées, parce qu'on compte aussi, il ne faut pas nous oublier. Et je trouve qu'on ne fait rien pour nous. Et quand même, on est venu se mettre dans les Tarterets, c'est un honneur pour la commune d'avoir une résidence. Domitis est venu se mettre là. Et ben, les gens ne veulent pas venir.
les gens, ça va être vide parce que les gens ne veulent plus de parterres. À quelles conditions, justement, il y a eu cette question de l'intergénérationnel qui est beaucoup sortie, comme vous dites, voilà, oui, vous êtes une retraitée, vous avez choisi. Donc, on est là, nous, mais on est complètement retirés. On ne s'occupe pas du tout de nous. La municipalité, on ne la connaît pas. Je trouve que c'est grave. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, Solange ? Moi, ce que j'imagine, ces petites pavillons, ces petits immeubles que vous avez faits, qui sont très propres, qui pour l'instant n'ont pas été sabotés, sont très propres, c'est impeccable. Ça, c'est bien. Faire ça, en faire plusieurs, et surveiller surtout. Merci. Surveiller que ça reste propre. Merci voilà, beaucoup. Voilà, ça, c'est très important. Merci. On me demande pourquoi... alors, oui, je vais avoir un peu le mauvais rôle ce soir, parce que vous êtes 200 personnes, on vous a compté, et qu'on voudrait qu'un maximum de personnes aient la parole. C'est pour cela que je prends une à deux interventions, et après, on fait circuler le micro, pour que personne ne se sente frustré. Et parce que nous avions envisagé que vous pourriez être frustré, sachez qu'on se retrouve le 9 novembre pour des ateliers où, cette fois-ci, vous serez en petits groupes avec, justement, les services, les experts, pour vraiment formaliser. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre une, deux heures ensemble, par petits groupes, pour que vous puissiez écrire, parler, et on prendra tout le temps qu'il faudra. Oui, on y va. Merci. Bonsoir, je me présente, Traoré Abdoulaye. J'ai habité au Tartaré pendant 17 ans, mais ça va faire bientôt un an que j'ai déménagé, parce que déjà on habitait dans une tour, à 6, j'avais 4 frères, on était 4 dans une chambre, à 4, Donc là, je trouve que ça, c'est insalubre. Mais sur ce que je voulais revenir, en fait, c'était que tout à l'heure, la dame là-bas, elle a parlé de... Le quartier ressemble pas à la France. Sauf que dans le quartier, on est français, mais on a aussi une double culture. On a des différentes origines. On vient d'horizons différents. Donc moi, je pense que pour réunir le quartier, en fait, il faut qu'il y ait une réunion des cultures, en fait. C'est pas forcément ressembler à... Enfin, c'est quoi la France, finalement ? Si c'est pas un mélange de culture, un mélange de mixité, comment on pourrait faire un quartier si on se mélange pas de base, en fait ? C'est ce que je voulais dire. Cette réunion des cultures dont vous parlez, vous imaginez comment ? Oui, j'ai un problème de micro. Un, deux, oui. Alors, cette réunion des cultures dont vous parlez, vous avez justement des experts qui sont là, vous l'imaginez comment ? Qu'est-ce qu'on pourrait créer ? Parce que normalement, la rue, c'est, je me permets de le dire, hein, c'est que des bâtiments. Enfin, ils sont chargés de faire des immeubles, de détruire des immeubles. Ça passerait par quoi pour qu'on trouve ce vivre ensemble ? Bah, déjà, je trouve que dans les vendeuses et les vendeurs qui vendent, par exemple, du maïs ou des pastels, enfin, on peut penser que c'est petit, mais finalement, c'est des choses qui viennent de leur pays, de leur culture. Ce mélange, c'est plein de valeurs qui sont ensemble. Là, on peut voir qu'il y a une mosquée qui est là-bas, on peut voir qu'il y a une église là-bas. Il y a tous ces, en fait, tous ces mélanges, c'est ça qui, pour moi, crée le quartier, en fait. Merci beaucoup. Il y avait une personne qui voulait au fond de la salle, madame, elle lève la main. Il y avait un monsieur aussi. Non, c'était vous, le monsieur qui levait la main depuis tout à l'heure. Oui, monsieur, madame, et ensuite monsieur aussi. Et après, je vais me tourner et madame. Oh là là, ça fait beaucoup. Je vous avais pas menti, hein. Est-ce que vous voulez bien vous lever ? Bonsoir. Je vais baisser mon masque parce que on est un petit peu en putain de parole depuis un certain moment. En fait, je vais émettre quelques petites remarques, notamment sur le support. On vous entend très mal. Je vais vous passer mon micro. Et juste, est-ce que vous pouvez être un peu bref pour Un deux. Vous parlez plus fort. Voilà. Ouais. En fait, sur la forme, je trouve qu'il y avait... Il y avait un certain nombre de remarques que j'avais soulevées et qui m'ont paru nécessaires, notamment en termes d'éducation, culture, art, respect de l'environnement, etc., qui n'ont pas été abordées bon, dans la globalité. Et là, j'ai formalisé ça par des questions suivantes. La problématique centrale, c'est comment sortir de la ghettoisation pour aller communautariste, pour aller vers une véritable mixité sociale. Ça, c'est une première question. Et ma deuxième question, c'est comment redonner à ce quartier toute sa vitalité, sa richesse, de par son patrimoine. Merci. Merci. Et pour vous, ça passe par quoi ? Justement, ce n'est pas mon rôle, en fait. Je pense que c'est le rôle des élus. Je pense qu'ils sont là, c'est pour qu'ils n'oublient pas ce pourquoi ils ont été élus, ce pourquoi ils ont
été élu pour un mandat, justement. Merci. Et voilà. Ok. J'attends des réponses. Merci beaucoup. On se tournera à un moment donné vers eux si vraiment ça pèse, s'ils peuvent vraiment jouer là-dessus. Qui d'autre ? Et après, il y a madame et madame. Et après, je vais me tourner vers les élus, mais aussi vers les experts de l'ANRU qui sont présents ce soir. Est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît ? Non, madame a le micro et après, c'est à vous. Bonsoir. Moi, j'ai relevé pas mal de points pour la rénovation du quartier. Déjà, je tenais à dire que vous avez fait un bon travail quand même, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été soulevées dans le film. Mais il y a des points quand même qui me tiennent vraiment à cœur, parce que moi, je suis né à Corbeil. J'ai grandi ici, j'ai vu... Il y a eu plein de mixité, plein de gens qui viennent et qui partent. Je voulais dire à la dame qu'on l'invitait à venir rencontrer les mamans, celles qui vendent dans le quartier. Des fois, c'est une question de... c'est vrai que ça ne fait pas... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais si elles ont créé ça, c'était pour un but. Parce qu'il y avait beaucoup de délinquance. Et quand on mettait des points où il y avait des mamans qui vendaient des choses, eh ben les jeunes ne venaient plus là-bas. Ou on avait un regard, on pouvait aller alerter les parents de la perte des enfants en disant « Attention, ben vos enfants font telle ou telle bêtise. » Au début, c'est comme ça que c'est parti. Là, après, c'est vrai, ce serait bien d'améliorer la chose en créant, par exemple, une coopérative, nous donner un local où elles puissent se réunir là-bas, faire des choses, développer. Elles ont pas mal de compétences, ces dames-là. C'est vrai que ça aussi, c'est envisageable. Pourquoi pas dans leur rue, leur donner un local, un lieu de vivre, où elles puissent se réunir et échanger. La double culture, c'est une richesse. Moi, je suis peut-être née ici, mais ma culture, je ne l'oublie pas. Et grâce à elle, j'évolue. Il y a des choses qui me permettent de mettre en avant. Il y a pas mal de choses que... Si je dis entre guillemets la française, je ne devrais pas faire. J'essaie de l'expliquer. D'autres personnes auront un autre point de vue et c'est comme ça qu'on s'améliore et que le savoir-vivre, il est bien. Après, je voulais revenir aussi. C'est vrai, il y a deux Tarterets. Il y a le Tarteret où nous, on a grandi et Beverly Hills. J'appelle là-bas Beverly Hills. Parce que il y a des beaux cas, c'est tout beau, c'est tout frais. Mais il ne faut pas oublier, les loyers ne sont pas les mêmes. Les gens se font beaucoup avoir aussi. On a détruit les tours, on les a remis dans les nouveaux. Il y a pas mal de gens qui viennent après parce qu'ils n'arrivent pas à payer les loyers. Il y a des charges aussi après, tout ce qui est eau et choses. On ne nous a pas préparé à ça. Donc, il faudrait préparer. C'est bien beau de faire des belles structures et tout, mais préparer la population. Est-ce que vous pensez que, justement, le Beverly Hills, c'est que pour les riches, ceux qui auront les moyens ? Non, ou est-ce qu'on peut envisager ? Non, c'est pas que pour les riches, parce qu'ils ont mis certaines personnes de chez nous, là-bas, mais qu'ils n'y arrivent pas. Donc, après, ils sont exclus. On va les sortir de là-bas. On va les... ils vont être... Je ne sais même plus comment on dit le terme. Voilà. Bon, mais... je t'ai expulsé. Comment voilà, on est... expulsé. Ils comment on évite expulsés. Ça Comment, selon vous Il y a pas mal de choses à faire. Déjà, le bailleur, on n'a pas d'interlocuteur. Il y a peut-être mille et une vies, mais des fois, on voit le logo, mais on ne les connaît pas. Donc, il faudrait revoir avec ça, mettre une permanence au moins dans le quartier qui puisse rencontrer les populations s'il y a un problème. Ce n'est pas une personne qui vient, mais vraiment une personne au moins dans la semaine qui est là pour écouter les doléances des habitants. Pas que du quartier, hein, y en a de partout. D'accord. Après, on voudrait bien qu'on nous remette une mairie annexe. On n'en a pas. On avait une halte-garderie, on n'en a plus. Il y a des mamans qui veulent chercher du travail, elles ne peuvent pas parce qu'elles ont leurs enfants. On leur dit d'apprendre le français, elles ne peuvent pas parce qu'il n'y a personne pour garder leurs enfants. Ça bloque de partout. Les jeunes, il y en a pas mal après qui se font exclure des collèges, des trucs. Mais on les met où, ces enfants ? Mmh. Ils font un lieu de pointe pour pouvoir les aider à réussir, à faire des choses. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Justement, il y a des jeunes qu'ils ont envie de parler. Est-ce que vous voulez bien qu'on leur passe la parole ? Un dernier point. Deux petits points. Je voudrais bien, moi, mon rêve, c'est au Tarteret qu'on a un centre de santé
améliorer, quand je dis améliorer, on a des médecins traitants, certes, mais on voudrait bien des orthophonistes, des gynécologues, parce que nos enfants, on galère pour trouver des orthophonistes. Pour leur cursus après, eh ben, ça les pénalise. Des gynécologues pour les mamans, il y a plein de maladies. Comment ? Madame, c'est une blague. Comment ça, attendez, c'est une blague ? On va la laisser finir. Excusez-moi, on va la laisser finir, si vous le voulez bien. Les orthophonistes, on n'a pas d'orthophonistes. Si vous en avez, ben, vous me donnez les coordonnées, je veux bien les prendre. Non, je veux bien. Et le parc Aimé Césaire, on voudrait bien qu'il revive. D'accord. Parce que nos enfants, on ne savent pas... Ça va très bien se passer, ouais, d'accord ? On va s'écouter. On voudrait bien le parc Aimé Césaire, on voudrait bien qu'il revive. Oui. Pourquoi pas mettre une ferme pédagogique et dans les nouveaux locaux, c'est mon dernier, après j'arrête. Dans les nouveaux bâtisses qu'ils vont construire, moi j'imaginerais, pourquoi pas, comme c'est des petites tours, un jardin partagé en haut des tours, entre habitants, ouais. Ça sera plus convivial, hein, une réserve d'eau, de pluie ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, je vous imagine bien, mardi 9 novembre, en fait, tout ce que vous avez noté là, ça sera ici à la Maison des Associations. En fait, je voulais juste vous dire que vous aviez plein d'idées et que ça, va falloir les écrire, va falloir revenir le 9 novembre pour vraiment formaliser ça. Il y a madame qui voulait la parole et il y a surtout un jeune qui voulait parler de l'éducation. Oui. Alors, vous voulez prendre la parole, on va lui donner le micro, si vous voulez bien. Tu peux lui donner le micro, s'il te plaît ? Vous allez, s'il vous plaît. Alors, on s'est rencontrés. Elle va vous donner le micro, s'il vous plaît. Aïssé, je voulais te remercier pour ce que tu as dit, et franchement, ça m'a fait plaisir que tu parles. D'accord ? Même si elle t'a coupé, on la connaît pas, cette femme-là. Elle n'est pas d'ici. Maintenant, je voulais dire bonsoir à toutes mes mamans qui sont là et à tous mes papas, mes frères et mes voisins des Tarterets, puisqu'ici, on est chez nous. Bienvenue à toutes les personnes de Corbeil-Essonnes qui sont venues, parce qu'ils savent qu'au jour d'aujourd'hui, on va faire des grandes choses. Ça a changé. Mais maintenant, ça n'a pas changé aujourd'hui. Quand on nous demande d'oublier ce qui s'est passé, on n'oublie pas. On apprend et on a fait mieux. Il y a 4 ans, quand tout le monde a inventé le cœur de la ville, le cœur d'Alaglo, le cœur de Si, nous on a mis en place le cœur de la street. Et le cœur de la street, vous savez c'est quoi, mesdames et messieurs ? C'est des gens qui sont debout, des femmes qui sont debout, des hommes qui sont debout, pour le quartier, pour de vrai. Maintenant, moi, ça me fait plaisir de vous voir tous comme ça. Aujourd'hui, merci au maire de mettre un projecteur sur notre quartier. Et je voulais répéter au maire, comme il le sait très bien, à tous les gens d'ici, ce quartier, il a fait des lumières, il a fait des têtes. Maintenant, quand les gens y font et ils partent, c'est pas de notre faute. Mais il y a des gens qui ont fait et qui sont là. Et il faut faire avec ces gens-là. Ces gens-là connaissent le passé, les erreurs, et ils vont pas les reproduire. D'accord ? Moi, je ne me suis pas présenté parce que j'ai pas besoin. Tout le monde me connaît. Et ceux qui me connaissent pas, je suis un cœur. Vous n'avez pas besoin de savoir autre chose que ça. Je suis un cœur de la street. D'accord ? C'est bon pour ça ? Exactement. Ici, j'ai envie de répéter... Vous avez fait une mise en scène d'une façon, merci Monsieur Piriou, parce que ça nous fait du bien que vous nous respectiez aujourd'hui comme ça. Mais nous, on veut être respectés tous les jours. Les mamans qui montent les escaliers toute l'année. Vous êtes où ? Tous ici pour venir vous battre pour ça. Vous êtes où ? Dites-moi. Maintenant qu'il y a eu cet éveil, que tout le monde est concerné. Quand on est là, quand on est devant les bailleurs, on est en train de discuter. Des mamans, des papas, quelquefois, qu'ils n'ont pas de force. Parce que les jeunes, ils n'ont pas le temps. Venez les soutenir comme ça. Venez vous sentir concerné avec eux, d'accord ? Tous ces points, nous on est là, on est prêts à en discuter. Il y a des associations qui sont actives, comme les femmes, il y a Evans, il y a Des Mains à Cœur, il y a CLT, il y a Génération 91, et il y a encore plusieurs associations qui sont en place ici. Maintenant, ces gens-là, il faut les respecter, parce qu'ils ont leur propre expertise. Ils ont vécu ici, ils ont vu ce qu'il fallait, et au jour d'aujourd'hui, ils sont là tous les jours pour donner. Du lundi au dimanche, 365 jours. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, moi, j'accepte tout le monde. Je suis là dans le partage. On est ensemble. Mais nous, on ne veut pas des gens qui parlent et qui partent. On veut des gens debout avec nous, 365 jours. Merci pour tout. Bye, je t'aime. Merci pour votre cœur. Merci infiniment. Ça, c'était un cri du cœur, comme on dit. On va passer la parole aux jeunes. Comme quoi, il y a des talents. Hein. Ça, c'était dit dans le film. Hein. Donc,
Et on va, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir... Messieurs, dames, j'ai une annonce à vous faire. Il y a dans la salle, justement, le bailleur de Mille et Une Vies. Il est accompagné justement de son gestionnaire et je sais qu'il a pris des notes, je l'ai vu. Il est là, il fait partie de l'ANRU et je pense que compte tenu de ce que vous avez dit, ça serait intéressant de lui passer la parole après ce monsieur pour qu'on ait son retour en fait. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le maire, bonsoir Oumar Dramé. Déjà je vais commencer à remercier Oumar Dramé parce que c'est un habitant de chez nous et je suis fier qu'il soit élu, je suis fier qu'il nous représente et c'est quelqu'un qui connaît bien le quartier. Et la femme à Samir aussi qui est là, qui connaissent très bien le quartier. Maintenant, l'ANRU 1, pour dire ce qui est, excusez-moi du terme, on s'est mangé une carotte. On s'est mangé une carotte parce qu'ils ont démoli des tours, ils nous ont laissé de l'herbe, ils ont mis tout le monde sur le côté là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas échangé, on n'a pas discuté. Et là, on est en train de faire la même chose, on s'égare du vrai sujet. Il faut rappeler aux gens ce que c'est que l'ANRU. L'ANRU, c'est la rénovation des tours, c'est la démolition des tours. C'est qu'est-ce qu'on met à la place des tours, les structures qu'on va mettre. Comment on va faire pour que les gens, ils soient ensemble, ils puissent échanger tout le temps. Des lieux où les gens ils peuvent se rencontrer. L'ANRU 2, c'est ça. Vous ne trompez pas de sujet. Venez pas parler de vos problèmes perso, ce n'est pas le moment. Parlez pas des trucs que vous vivez tous les jours. L'ANRU 2, c'est la rénovation du quartier. Les habitants, ce n'est pas les habitants le problème. C'est ceux qui ont démoli nos tours et qui nous ont laissé de l'herbe. C'est ça le vrai problème. Maintenant, une deuxième chose. Il y a Mille et Une Vies Habitat qui sont là. Mille et Une Vies Habitat, les habitants du quartier, toute l'année, ils se plaignent. On les voit jamais. Aujourd'hui, il y a le maire, il y a l'élu, il y a tout le monde. Comme par hasard, les bailleurs, ils sortent. Nous, on ne veut pas les voir quand il y a des événements comme ça, les bailleurs. On veut les voir tout le temps. Les jeunes, ils sont là, ils veulent faire des projets, des chantiers éducatifs. Les mamans, elles sont là, elles veulent des aides pour payer leur loyer, pour savoir comment lire une quittance de loyer. Quand on déménage, il faut leur dire la vérité. Les charges là-bas, ce n'est pas les mêmes qu'ici. Et les bâtiments des Tarterets, ce n'est pas un problème. On avait les meilleurs appartements du monde. On avait des F5, ils nous ont mis dans des F2 en préfabriqué. Mais ça, on ne l'a pas dit. Et aujourd'hui, vous ne trompez pas de combat. Écoutez bien ce que c'est que l'ANRU 2. C'est l'aménagement urbain. Et c'est quelque chose qui est déjà en place. C'est déjà en place. Donc réfléchissez à ce qu'on veut. Des places de parking, des lieux culturels. Excusez-moi, madame, 2 minutes après, je vous laisse tranquille. Des lieux culturels et des élus qui sont sur place aussi, avec qui on peut échanger. Là, la chance qu'on a, c'est que les élus, c'est des gens de chez nous. Ils vivent chez nous. Pas comme avant où les élus, ils étaient là à 17h30, ils disparaissaient quand la vraie vie de quartier a commencé. Donc voilà, vous ne trompez pas de combat et désolé de vous avoir interrompu. En fait, j'avais juste une question à vous poser. C'est pour ça. En fait, quand je lève la main, parfois, c'est juste que quand vous dites quelque chose, ben, j'ai envie de rebondir. Vous avez dit, il ne faut pas se tromper. Il y a eu un... Exactement, il ne faut pas se tromper de combat. L'ANRU 1, ça a été mal fait. Ben, à quelles conditions on fait bien cette deuxième phase? Vous attendez quoi, vous? Moi, je pense que là, on est sur une bonne lancée. Il faut concerter les habitants, mais il ne faut pas les concerter une fois. Il faut les concerter du début jusqu'à la dernière pierre posée. C'est ça, l'ANRU 2, c'est pas vous faites une réunion aujourd'hui et on ne vous voit pas pendant 1 an, 2 ans. Nous, on a besoin de vous voir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et on veut connaître l'avancée des projets. Les habitants, ils ont besoin de savoir ce qu'on va faire sur les Tarterets. Ça ne sert à rien de venir après et dire « Ouais, finalement, on va construire ça, c'est trop tard. » Nous, on va être concernés dès le départ. Et je répète, on ne se mangera pas 2 fois la carotte. Merci beaucoup. Merci. Ça valait le coup de vous redonner la parole. Merci. Je vais prendre encore 2 interventions et après, je vais me tourner vers le responsable de Mille et Une Vies, vers aussi les élus, pour avoir un peu leur retour. Et après, on reviendra vers vous. Mais si vous le voulez bien, une deuxième... Il y avait madame qui attendait là-bas, si tu veux bien. Et madame, tiens, donne à madame. Et après... Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Là, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de nous donner la parole, monsieur le maire. Et effectivement, je rejoins beaucoup d'habitants de ce quartier parce que je suis moi-même issue des Tarterets. Le plan de l'ANRU 2, ce n'est pas de détruire les commerçants qui sont sur place pour reconstruire d'autres projets, c'est plutôt de construire avec les commerçants qui sont déjà en place, d'alléger aussi leurs souffrances, parce que c'est difficile, le commerce, il faut le faire fonctionner dans une cité comme la nôtre. Donc ce serait bien de faire fonctionner ces commerces pour qu'on puisse aussi donner du travail aux habitants des Tarterets. Ce serait vraiment important, c'est notre but à nous tous, parce que moi je suis commerçante aux Tarterets, et je vous assure que
mon seul rêve, c'est de donner du travail aux habitants des Tarterets. Voilà, tout merci, simplement. Il faut plus développer. Passez le micro à monsieur Pélégean, qui est donc directeur de l'aménagement des grands projets en rue pour Mille et une vies Habitat. Bonsoir, oui, donc Jean Pellet, je suis le directeur de l'aménagement des grands projets en rue. Donc je vais faire assez court parce que je pense que, comme le souhaitait monsieur le maire, ce qui est important, c'est d'écouter et effectivement peut-être de ne pas mélanger les sujets. J'entends, même si je m'occupe plutôt de la partie projet et effectivement je fais partie des acteurs du projet urbain. Les mécontentements. Ce que j'ai noté quand même, j'ai pris un certain nombre de notes, et ce qui revient, à mon avis, de façon essentielle, c'est le vivre ensemble et la question, effectivement, de ce que j'appelle, excusez-moi, les aménités. C'est-à-dire qu'en gros, comment, au-delà de la question du logement à proprement parler, c'est-à-dire le rôle du bailleur, et on ne se défaussera pas, comment effectivement recréer du lien. J'ai noté aussi qu'il y avait une personne qui, à la fin, disait que ce qui est important, c'est de remettre les habitants au cœur du début à la fin. Et effectivement, je pense que c'est important d'élaborer ça. C'est-à-dire qu'il y a actuellement des discussions qui sont en cours, qui durent depuis des années. Et effectivement, je tiens à saluer monsieur le maire, parce qu'on est arrivé sur le projet pratiquement en même temps, sur le même projet. Et clairement, il y a un maire qui est monté au créneau, aller effectivement vraiment se battre contre l'ANRU. Et ayant fait quelques opérations ANRU sur d'autres secteurs, je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile. Et justement, l'objectif de monsieur le maire, sans parler à sa place, c'était de remettre, un, la concertation au cœur, deux, les habitants, et trois, remettre en place la question du partage et notamment des pieds d'immeuble. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet, on l'avait échangé lors des réunions, où c'est vraiment le fondement. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est ce que vous disiez, et j'arrête là, parce que j'ai une question à mon vous poser, rôle de, en fait. De parler. Je pense que ce qui est important, ça va être les ateliers, les construire dans la longueur, parce qu'effectivement, c'est un projet qui va être long. Il ne s'agit pas, effectivement, j'ai entendu ce qui a été dit, d'être là uniquement ce soir, c'est d'être là effectivement au quotidien, de nous améliorer. Je note quand même qu'il a été fait état de la disparition d'un certain nombre de services. Et effectivement, malheureusement, il y a un certain nombre de services qui ont disparu. On le voit dans plusieurs quartiers où effectivement les services publics disparaissent les uns après les autres. Et nous, bailleurs, on reste les derniers sur place. Pour ceux que ça intéresse, on organise avec une association c'est samedi, une visite urbaine où effectivement on accompagne des associations. On est perfectible, hein, je ne vais pas dire le contraire, on reconnaît, et j'arrête, excusez-moi, allez-y. J'ai juste une question en fait, c'est parce que vous êtes un bailleur, vous allez être celui qui va aussi rédiger ce rapport, enfin travailler sur l'ANRU, enfin pas vraiment le rédiger, mais en tout cas vous allez faire partie du processus de l'ANRU, et les habitants ils se demandent si leur parole elle va vraiment compter, s'ils vont pouvoir vous revoir ou revoir des acteurs du bail sociaux, ou est-ce qu'au fond là vous venez juste parler et puis après on ne vous reverra plus quoi. Alors vous me reverrez, alors peut-être pas moi personnellement, mais en tout cas, dans le cas des ateliers qui seront organisés, il y aura un représentant de Mille et une Vies. Par contre, effectivement, je tiens quand même à préciser une chose, c'est-à-dire que nous sommes acteurs du projet parmi d'autres, parce qu'effectivement, je pense qu'un des gros écueils, c'est que souvent on laisse le bailleur en première ligne et il y a des choses qu'on ne sait pas faire, on va le reconnaître, et on accompagne plutôt le porteur du projet. Le porteur du projet, c'est effectivement l'élu, et j'ai envie de dire maintenant les habitants qui vont porter le projet, je pense que c'est important, et nous, on accompagne ce projet-là. Et souvent, effectivement, sur ce type de quartier, on a tendance effectivement à mettre le bailleur, je ne vais pas dire au pilori, mais en front, alors qu'objectivement, il y a des services qui ont disparu. Nous, on est encore sur place, on fait avec les moyens du bord, et ce n'est pas toujours évident. Donc, on bagne la coupe. Merci beaucoup. Et parmi les porteurs, justement, il y a aussi l'architecte, monsieur Macan. Ça serait intéressant d'avoir ce que ça vous inspire. Oui, est-ce que vous voulez bien vous présenter, parce que vous êtes un acteur important aussi dans cette discussion-là. Oui, bonsoir. Je suis Macan Rafadjou, architecte et urbaniste. C'est en effet notre agence, avec d'autres intervenants, qui a été retenue pour travailler sur l'ANRU 2. Alors, c'est le début du travail. Je suis ravi d'être là ce soir. Je suis ravi de vous entendre. Je suis ravi qu'il y ait ce processus pour qu'on vous entende. Nous, c'est notre démarche. Dans tous les projets, on intervient.
de faire avec les habitants, pas seulement de prendre la vie des habitants, mais faire avec, pour plusieurs raisons. D'abord, ça a été dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans différentes choses qui ont été dites, on a toujours l'impression qu'il y a une passivité. On nous a mis ça, on nous a démoli ça, on nous a enlevé ça. Et c'est ça qu'il faut renverser. C'est-à-dire qu'il faut faire de vous, habitants de ce quartier, partie prenante entièrement de ce projet. Le projet, c'est faire avec vous. Pourquoi faire avec vous ? Parce que nous, architectes, urbanistes, paysagistes, écologues, bureaux d'études, ingénieurs, tout ce que vous voulez, on a un savoir technique. On peut venir chez vous. Moi, je suis déjà promené dans votre quartier à différents moments, à différentes saisons, etc. Mais on n'aura jamais la connaissance que vous avez, vous, de votre quartier. Vous êtes des experts de la vie quotidienne de ce quartier. Alors vous, comme ce soir, ben vous, c'est de la diversité. Il y a des gens pour les tours, contre les tours. Il y a des gens qui estiment qu'on veut ceci, on veut cela, pas assez de voitures, plus de voitures. Et ça, c'est normal. Travailler ensemble un projet, c'est aussi à partir de la diversité des points de vue, construire du commun. Et c'est pour ça que c'est important. C'est-à-dire qu'on a tout le temps à la bouche le mot de vivre ensemble. Si on ne fait pas ensemble, on ne vivra pas bien ensemble. Le fait de faire ensemble, ce processus de faire ensemble, nous, on est un des acteurs, on sera au service de ce projet, on sera présent longtemps, aussi longtemps que vous le souhaiterez. On s'engage à ce que cette concertation, pas seulement dans sa phase de cet automne, mais elle se poursuive au-delà, parce que c'est un projet de longue durée. C'est un projet sur 10 ans. Il y a des choses qui vont se faire immédiatement, d'autres à moyen terme, d'autres à long terme, et il faut que vous en soyez partie prenante tout le temps. Et alors, il y a une chose qui a été dite. Il y a une dame qui a dit, je voudrais bien que Tarteret ressemble à la France. Je trouve ça très beau, mais pour que Tarteret ressemble à la France, il faut que la France prenne conscience que vous êtes aussi la France. Vous faites pleinement partie de ce pays et qu'on ne soit pas dans une démarche d'assistanat. Si l'État débloque des sous, si l'ANRU débloque des sous, l'ANRU, tout ça, c'est des structures, c'est des procédures. Et c'est toujours très difficile de faire rentrer la vie des gens dans des procédures, dans des cases. Il y aura toujours des cases qui vont manquer. Donc ces cases, on va les construire ensemble. Et c'est votre dignité de participer pleinement à ce projet. Et ce projet, il ne sera pas seulement notre projet, il sera surtout votre projet. Voilà. Donc moi, c'est ça que je voulais dire. Et je suis ravi de pouvoir faire ce projet complexe avec vous. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Il est 20h17. Je vous demande encore de rester un petit peu avec nous jusqu'à 20h35. Il y a Assadou Kouré qui est habitante du quartier, élue au quartier des Tarterets, qui a pris aussi beaucoup de notes et qui est là. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et après, je repartirai en salle. Si vous pouvez rester encore une petite dizaine, quinzaine de minutes pour qu'on discute tous ensemble. Je sais qu'il est tard. Merci Solange d'être passée. On se retrouve le 9 novembre. Merci. Ceux qui partent, inscrivez-vous bien. C'est pas fini de toute façon. Oui. Attendez, lève-toi. Bonsoir à tous. Comme Mohamed l'a dit tout à l'heure, Mohamed Kenessi, on ne me présente plus dans le quartier parce que moi je suis native du quartier des Tarterets. J'ai toute ma famille qui est là. Restez avec nous. On reste encore 10 minutes ensemble. Je sais qu'il y avait une ou deux interventions maximum. Et voilà, je sais qu'il est tard, surtout qu'on a prévu un pot et on voudrait que vous inscriviez, mais c'est intéressant d'avoir le retour des élus pour savoir si, au fond, est-ce que leur parole, elle compte, elle pèse. D'accord. Et donc, je disais que j'ai toute ma famille ici, on est tous attachés. Vous entendez ? Nous sommes tous très attachés à ce quartier. Et moi, quand on parle des Tarterets, quand on évoque le quartier, je dirais que le quartier, c'est bien plus qu'une famille, c'est un esprit. C'est un esprit collectif, c'est un esprit de solidarité et c'est un esprit familial. Et ça, c'est très important de le souligner. Et ce que je retiens aujourd'hui, moi, de la parole des habitants, c'est leur... J'ai ressenti l'envie des habitants de participer à ce projet de rénovation. Et moi, je leur dis, mais oui, impliquez-vous dans ce projet. Oumar Dramé, d'ailleurs, vous l'a proposé. Impliquez-vous, mobilisez-vous, parce que si vous ne vous mobilisez pas, on ne pourra pas avoir un projet qui nous ressemble et qui correspondra à nos attentes et à nos besoins. Si nous souhaitons avoir un projet du mieux vivre ensemble, nous avons besoin que vous soyez impliqués dans le projet. Merci beaucoup, Omar. Donc, moi, j'ai envie de dire, je rejoins la totalité des choses qui ont été dites. Hein. Comme on l'a dit en introduction, je suis issu de ce quartier. Donc, si j'enlève ma casquette d'élu, finalement, les conditions dans lesquelles vous vivez, c'est les conditions dans lesquelles je vis et j'ai vécu. Donc,
je rejoins Moussa quand il dit qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif sur les objectifs de l'ANRU. Mais comment on peut imaginer les Tarterets demain si les problèmes qu'on vit aujourd'hui, on n'arrive pas à les régler ? Donc il faut qu'on arrive, et on ne va pas se défausser de nos responsabilités, comme certains l'ont dit. Il y a des choses qui se feront avec le temps long, mais pour moi, avoir un quartier propre, un quartier fleuri, un quartier où on n'a pas l'impression d'être dans l'insalubrité, ça ne doit pas attendre la fin de l'ANRU. C'est quelque chose qui doit être fait aujourd'hui. Ça, c'est respecter les habitants. Voilà. Merci, monsieur le maire. On vous propose vraiment qu'on se retrouve le Alors, neuf, ouais. Je vais dire quelques mots, après on va rester, on pourra boire un verre ensemble, mais j'ai des choses à vous dire. D'abord, je partage ce qu'ont dit Mohamed Kenissi, Moussa et d'autres, c'est que ce soir, c'est pas un coup politique ou politicien, ce soir, c'est un démarrage. Moi, vous me connaissez, j'ai longtemps été un élu de l'opposition, et dans mes combats, je le cite ce soir parce que c'est aussi lui rendre hommage, peut-être qu'on lui donnera un nom un jour dans le quartier, c'est j'ai milité 20 ans avec José Quinquela, on peut l'applaudir, c'est, voilà, qui a été le grand président de l'amicale des locataires des Tarterets, et on a eu de cesse, et on a eu raison, de dire que si les transformations des quartiers se faisaient sans les habitants, ça se faisait contre eux. Et donc maintenant que je suis le maire, qu'on a une belle équipe avec beaucoup d'élus du quartier, je crois que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant d'habitants des Tarterets qui sont maires adjoints, élus, beaucoup, ils sont tous là ce soir, on a une conviction et on prend un premier engagement ce soir. C'est que quand Mohamed dit c'est pas il faut que vous soyez auteur, moi je dis pas simplement acteur, il faut que les habitants des Tarterets, mais aussi d'ailleurs ceux d'autres quartiers de la ville, les Tarterets, c'est tout Corbeil-Essonnes, d'accord, il faut que ce soit 365 jours sur 365 que vous puissiez être auteur de la transformation. Donc on va se revoir et tout de suite on vous donne, je le redis, ça sera peut-être dit à la fin, un premier rendez-vous. C'est le 9 novembre à 18h30, sûrement ici. Nous allons reprendre toutes les questions qui ont été posées et les travailler. Parce que, comme a dit notre architecte, Macan, Rafadjou, entre vous, vous n'êtes pas tous d'accord. Et ce n'est pas grave. Dans l'équipe municipale, quand on discute, on ne voit pas tous les choses de la même façon. Et c'est pour ça qu'il faut débattre. Par exemple, je donne des exemples. Il y a une chaufferie qui peut être un magnifique bâtiment. Quand on discute entre nous, on ne voit pas forcément la même chose. Équipement sportif, équipement culturel, équipement pour toute la ville, équipement que pour tous les Tarterets. Voilà des débats intéressants. D'accord ? Donc ces débats-là, on va les mener ensemble. Je voudrais que vous, la démocratie, c'est vous donner les clés pour comprendre. Et comme on ne vous les a pas données pendant des années, eh bien, il y a des décalages entre les informations que nous avons et les vôtres. Vous avez, ça a été dit, une expertise. Moi, j'ai vécu 2 ans au Tarteret, mais je vis dans le centre-ville de Corbeil-Essonnes. Donc, 2 ans, bah, c'est, puis d'abord, il y a longtemps, c'est pas ce que vous vivez, vous, au quotidien. Et donc vous avez une expertise qu'on ne peut pas inventer. D'accord ? Mais nous, on a des informations qu'il faut qu'on vous donne. Je vous en donne une première. Nous avons été élus il y a un an, le 4 juillet. D'accord ? Et en plus, il y a eu le Covid. On n'a pas pu se voir comme on aurait aimé. Mais on a travaillé. Quand on est arrivé, l'ANRU s'est porté par une agence nationale. On va dire, c'est l'État, pour une part. C'est le gouvernement. D'accord ? La politique de la ville. Avec des bailleurs, avec l'agglomération Grand Paris Sud. Moi, je dis, c'est nous, l'agglomération Grand Paris Sud. Sinon, on en sort. Si c'est une agglomération, c'est des communes regroupées. Il faut que le travail de l'agglomération, ce soit le nôtre. Et le nôtre, c'est le vôtre parce que nous sommes que vos représentants. Rien de plus. Vos représentants. Et donc, quand on est arrivé, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Signer la convention pour que l'ANRU 2 démarre. Avec Assa, Oumar, tous les élus présents ici dans la salle, on a dit pas question. Pas question. Pourquoi ? Par exemple, Mohamed, je ne sais pas s'il est encore là,
c'est le cœur de la street, c'est que dans la convention qui avait été travaillée par l'ancienne mairie, mais pas avec vous, il y a eu, je crois, une seule grande réunion dans le quartier, il y a maintenant des années, c'est tout, quoi. Donc nous, c'est pas ce soir un coup, on va se revoir tout le temps, d'accord ? Mais il y avait dans la convention, on rase le gymnase en face de la mosquée, c'était décidé, et on en reconstruit un autre. Ben nous, on a dit pas question, pas question. Il n'y a pas eu de gymnase construit dans cette ville depuis 1993. Et on a pris 20 000 habitants. On manque d'équipement pour faire du sport. Et d'ailleurs, vous le réclamez. Eh bien, ce qu'on a dit à l'État, et on tient bon, c'est qu'on va signer une première convention avant Noël sur ce qui était acté, sur lequel on ne peut pas revenir. Vous voyez, par exemple, je le dis, les 4 tours Blum qui sont prévues à la démolition, il n'y a plus que 20 appartements d'occupés. Tout le reste est vide. Et donc, c'est un coup parti. Moi, je n'aurais peut-être pas fait comme ça, mais je n'étais pas le maire à l'époque. D'abord, on vous aurait demandé votre avis. Clotaire Bonzi, tu es là, Clotaire, encore ? Clotaire, lève-toi, Clotaire, pour qu'on comprenne. Clotaire était, depuis, il a déménagé, puisqu'on les fait partir. Mais Clotaire habitait au combien, Blum ? 27 Blum. Quand on leur a dit, tiens, presque en lisant Le Parisien le matin, t'apprends que ta tour avait été démolie. Il a fait une petite enquête. 95% des habitants des 4 tours voulaient rester dans ces tours. Et on ne les a pas écoutés. C'est-à-dire que penser que c'est naze ici et puis que vous voudriez aller vivre ailleurs, ce n'est pas vrai. Vous êtes attachés, les gens qui vivent au Tarteret sont attachés, vous l'avez très bien dit madame, on se connaît, sont attachés à leur quartier pour plein de raisons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a des commerces, pas assez, mais il y en a. Je veux dire, plus qu'à mon conseil. Ici, il y a la gare. À côté, plus proche qu'à mon conseil, je ne veux pas opposer, mais au Moulin Galant. Ici, il y a le lycée, juste en face. Et d'ailleurs, on va continuer de se battre pour que tous les jeunes des Tarterets soient acceptés au lycée de Corbeil. Ça, c'est un scandale qu'on les envoie ailleurs. D'accord ? Ici, vous avez un collège. Il y a des choses ici. Mais ça pas... c'est vrai que l'ANRU, moi, j'ai beaucoup compris ça en écoutant Oumar, Farid Messaoui et d'autres. C'est que qu'on ne l'a tellement pas fait avec vous que ça a été... D'abord, ça dure pendant 20 ans, cette affaire. Votre quartier, il est en chantier pendant 20 ans. C'est insupportable. Alors, je te mets un coup la crèche là. Après, bah, tiens, on va faire la maison des associations ici. Et puis, au coup par coup, quoi. Et vous avez... Ne doutez pas de votre intelligence. Quand vous dites, il faut qu'on arrête de faire du coup par coup, il faut d'abord qu'on s'écoute, on se met d'accord sur un projet et on trace. C'est ça qu'on va faire. Et nous avons obtenu... Vous compreniez ça, parce que nous, on délibère au conseil municipal, et d'ailleurs, vous voyez ce qu'on délibère, puisqu'on le retransmet. Comme la réunion de ce soir, tout Corbeil qui veut écouter ce qui se dit là peut le faire. Eh bien, on va passer une première convention, ce sur quoi on n'a pas le choix. Il y a des tours qui étaient prévues à la démolition, elles vont être démolies. Mais tout le reste, on veut y revenir en mars ou en avril, avec l'État, et on leur a dit, et ils nous écoutent ce soir, et moi, je rencontre le préfet demain, le préfet aussi à la politique de la ville et un autre cadre de la préfecture. On va leur donner des comptes rendus de ce soir et on va leur dire on va prendre le temps de décider ensemble. C'est quoi décider ensemble ? D'ailleurs, je ne vais pas être trop long. Il y a la question de qu'est-ce qu'on démolit, qu'est-ce qu'on démolit pas. Eh bien, voilà, ce qui est parti, on ne changera pas, mais ce qu'on peut encore discuter, on va le discuter. Il y a les équipements sportifs, culturels, les lieux pour les jeunes, les lieux pour les familles. Tout ça, on veut prendre le temps de discuter avec vous. Il y a une autre question. Le bout du monde, 95 $. On a été voir les habitants. On démolit, on démolit pas, c'est un débat. Les habitants, je crois, 50 personnes, il y a 15 jours, 3 semaines, nous ont dit, si c'est une très belle rénovation, alors peut-être qu'il ne faut pas démolir. Eh bien, on va se battre pour que ce soit une très belle, peut-être, rénovation. Sinon, autant démolir. Avec des enjeux autour, voilà. Autre chose encore, je partage une idée d'Oumar. Parce que l'ANRU, ça va prendre... Ça va prendre un peu de temps encore. Hein, les gymnases, ça ne se construit pas en 2 jours, etc. etc. Il faut repenser les circulations dans le quartier. Le professeur, on disait avant, instituteur, Frédéric de l'école Picasso, je crois, dit il faut des cheminements. Moi, ce soir, j'entends plus fortement que ce que je voyais. Hein, je le voyais, mais je ne le voyais pas fort. Vous dites il y a 2 Tarterets. Mais pour une part, c'est vrai. Et donc, 3 même. Eh bien ça, nous allons travailler avec Macan et avec vous. C'est-à-dire qu'il faut réinventer des circulations dans le quartier pour qu'on ait le sentiment de vivre tous dans le même quartier où on place les équipements. On veut prendre, dans les mois qui viennent, on va prendre
tout le temps de ce débat et vous allez être auteur. Donc venez aux ateliers le 9, parce que c'est là où vous allez coucher des idées, discuter entre vous, et nous on va prendre cette matière, et quand on ira voir l'État, on dira, nous on signe, que s'il y a ça dedans, s'il n'y a pas ça, on ne signera pas. Alors après, il y a un chantage aussi de l'État, c'est que si on ne signe pas, on perd des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Donc il faut être un peu malin, c'est-à-dire qu'il faut à la fois, ça s'appelle un rapport de force. Et le rapport de force, il est bon, si vous êtes là ce soir, 202 personnes, c'est déjà une énorme victoire. Parce que quand le bailleur qui est là, et je le remercie d'être là, et je le dis aussi, moi je ne suis pas démagogue, le bailleur, il ne peut pas être là une fois par an. Moi, par exemple, je pense qu'il n'y a pas assez de gardiens dans les immeubles. Et quand il y a des gardiens dans tous les immeubles, eh bien, les habitants, ils ont un rapport au bailleur quotidien. Eh bien, trouvons les moyens financiers, il y a des moyens pour ça, la taxe sur le foncier bâti, etc., pour qu'on ait plus de gardiens. S'il faut une agence du logement, du mille et une vie maintenant, dans le quartier, il faut y retravailler. Il y en avait une, elle est partie. Il y a besoin d'une mission locale, d'une antenne de la mission locale dans ce quartier. Vous voyez, tout ça, on va le travailler, on va le lister. Et avec Oumar et les élus, on signera que s'il y a tout ça dedans. Sinon, on ne signera pas. La dernière phrase que je veux dire, c'est pour vous dire, voilà, ce soir, c'est un démarrage. Et donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en nous, et nous, on a confiance en vous. La dernière chose, c'est, moi aussi, je suis très fier qu'il y ait eu ce magazine. Ça fait belle lurette qu'on n'a pas pris un quartier, on le fera pour d'autres, hein. Il n'y a pas de préférence, moi je suis le maire de tous les quartiers de Corbeil-Essonnes, mais qu'on ait fait un magazine spécial sur les Tarterets, c'est un sacré signe politique. Et c'est beaucoup vous qui parlez dedans d'ailleurs, vous voyez. Eh bien, la phrase « La France, ça doit être beau partout, y compris aux Tarterets », moi je l'assume. D'abord, vous dire « Vous êtes la France ». Tant pis pour Zemmour et tous ces nazes, vous êtes la France ici. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'effectivement, il y a des endroits... Eh bien, il y a plus de services publics. Il y a des endroits, les immeubles, ils sont beaux. Il y a des endroits, c'est plus beau qu'ici, d'accord? Mais vous êtes une richesse énorme ici. Et donc, quand on dit la France, ça doit être beau partout, y compris au Tarteret, c'est ça qu'on va faire. Une dernière idée, parce que moi, je l'enregistre et je le dis à Macan, notre architecte, c'est qu'on va construire aussi dans le centre-ville de Corbeil-Essonnes, d'accord? Et évidemment, ça, c'est nous qui sommes au départ du projet. On va construire dans les Grands Moulins, qui vont être désaffectés pour une part. On va construire à la place d'Hélio Corbeil. Je pressens qu'on va avoir des beaux immeubles. Eh bien, il faut que les nouveaux immeubles qui soient construits au Tarteret soient aussi beaux que ceux qu'il y aura dans le centre-ville. C'est ça, faire commun, c'est ça, faire la commune de Corbeil-Essonnes. Et si on fait comme ça, vous verrez, on sera un exemple aussi sur comment il faut qu'on respecte dignement les habitants, pas qu'à Corbeil-Essonnes, mais partout. Voilà l'engagement, en tout cas, qu'on prend ce soir. Merci. Ce soir, vous l'avez compris, c'est qu'une première étape. Je sais qu'il y a des personnes qui souhaitaient encore parler. Vous pourrez le faire au pot. Ils vont rester, les élus, les bailleurs, vous restez pour que vous puissiez leur parler en tête à tête, en individuel, mais nous n'avons plus le temps de continuer. Et aussi, je tiens à vous dire qu'il y a une association qui s'appelle La Toile, qui organise un superbe événement samedi 14 octobre et qui vous invite... Pardon, samedi 24 octobre. Et La Toile fait une expo vidéo. Voilà. Ce samedi, vous êtes invité au parcours visuel et graffiti dans le quartier pour retrouver un peu l'histoire du quartier. C'est ce samedi à 14h. Et c'est où ? En face du collège Chambord. On vous invite en face du collège et on le mettra aussi sur la page Facebook. Voilà. Donc, et l'idée, c'est de se rencontrer entre habitants, de partager l'histoire, de voir des graffitis géniaux. Donc venez, venez, venez.